C'est une ronde que Jean-François Kando a effectuée samedi dans les CQ 507 loin d'Ilifoubourg, 501 Mongupuku et 512 Makayabu, où il a été chaleureusement accueilli par les associations Mongupuku Développement, Jeunes Dynamiques de Faubourg et l'Organisation des Femmes Enseignantes du Congo, dans le cadre de la poursuite des activités de la campagne présidentielle du candidat Denis Sassou Nguesso dans le 5e arrondissement de Pointe-Noire. Deux de ces associations ont fait leur sortie officielle ce jour. Les Jeunes Dynamiques de Faubourg, qui regroupent les habitants des CQ 506, 507 et 508 du 10 quartier, et l'Organisation des femmes enseignantes du Congo, qui par la même occasion a célébré en différé la Journée internationale de la femme. Toutes ces associations ont fait la promesse à Jean-François Kando qu'elles accorderaient leur suffrage au candidat de la majorité présidentielle le 21 mars. Rassuré, Jean-François Kando a exhorté les mandants à militer dans la paix, les appelant à éviter toute contradiction inutile dans les quartiers, avant de s'assurer qu'ils possèdent leur carte d'électeur et de leur expliquer comment se déroulera le vote pour une meilleure compréhension de chacun.